tartelettes tarama et poutargue, et à côté une chips de riz et tartare de bœuf. Beurre fermier au lait cru. Donc on commence avec l'entrée au poireau, servie avec une crème montée au wasabi et des petites palourdes. Vous avez sur le dessus une chips de pain et jaune d'œuf. Bonne dégustation. On continue avec le poulpe, servi avec un coulis de persil et des petites tranches de matraïla. C'est une charcuterie d'Itsasu, c'est de la bajou de quintoa, le cochon. Et je vous sers ici une sauce bourguignonne. Vous avez également dans le petit bol une purée de pommes de terre au piment fumé. Bonne dégustation. On continue avec la Saint-Jacques. Super. Donc c'est servi avec un jus de coing, des coings confits à la vanille et des petits navets marinés aux algues. Je vous sers ici une émulsion topinambour et Saint-Jacques. Bonne dégustation. Êtes-vous amateur du cache-cou ? On va le prendre. Continuez avec la pintade, servie avec des cèpes et tartare de crevettes. Vous avez la cuisse qui est confite et un morceau de suprême. Je vous sers ici une sauce au curcuma et au miel. Bonne dégustation. Alors, parfait. Est-ce que vous aimez tout ? Il y a des choses que... Oui ? Ah, moi, j'ai aucune... Aucune limite. Super. Parfait. Donc, vous avez ici la tome de vache, comme un reblochon, mais des Pyrénées. Oui, parce que ça ressemble au reblochon. Hein. Exactement, mais celui-ci vient d'Augeux. Très bien. Hop. Voilà. Ensuite, vous avez le brebis osso irati, 5 mois d'affinage en lait d'alpage. Voilà. Je reviens après pour le vin. Ensuite, on a ici le chèvre extra frais, 2 mois d'affinage, de la Bastide Clérance. Voilà. Le chèvre cendré, un petit peu plus fort, également de la Bastide Clérance. Et ensuite, le bleu de brebis, le bleu des Basques. Donc au lait de brebis, absolument, il faut terminer par celui-ci. Hein. Ils sont tous au lait cru ? Beaucoup plus fort. Oui, les crus, la question, tous au lait cru, oui. Voilà la réponse. C'est vrai ? Ouais. Bah, c'est vrai que ça a plus de goût. Ah, non, mais... D'accord. Ici, donc, vous avez une petite confiture, pommes et piment d'Espelette. Dans ce sens-là. Oui, en boisson, là. Voilà. Bah oui, vous faites bien. Et voilà. Et merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À côté, le vin arrive. Je valorise justement le travail qui est fait en cuisine. Donc on continue avec le dessert au chocolat et au whisky. Donc ganache au chocolat, sablé au chocolat et grué de cacao, tuiles cigarette au chocolat, sorbet de jus de cacao frais. Donc le jus de cacao frais, ça va avoir un goût plutôt de fruits de la passion, d'agrumes. Et une émulsion tiède, chocolat et whisky tourbé. Bonne dégustation.
Ouais. On termine avec un pressé de pommes, servi avec un crémeux au sarrasin et un sorbet pomme au four et piquillos. Et je vous sers ici un jus au cidre et au piquillos. Bonne dégustation. Alors, donc vous avez un crémeux au thé avec un sorbet au basilic thaï et des graines de masala. Donc ça aide un petit peu à la digestion. Et ici, vous avez une eau fraîche infusée aux feuilles de figuier. Très content avec tout le monde.